La journée avec David Letard qui vous emmène un petit peu partout en Suisse romande et qui, pour commencer, vous propose d'aller faire un petit tour en Valais à Martigny, mon cher David. Et ça bouge là, dis donc. Ça bouge bien. Ça, c'est... Belle découverte. C'est Jean Sud. Jean Sud qui va se produire ce samedi dans la cave du Manoir. À Martigny, c'est né d'une association entre le concept House of Techno et les caves du Manoir. Il vous donne rendez-vous ce samedi pour une cinquième partie de la soirée à thème Techno Cave qui s'apprête à vous faire danser au son de la techno et de la house music. Et c'est le producteur et DJ Jean Sud, le local de l'étape. Il est originaire des montagnes valaisannes qui va s'occuper de vous toute la soirée et toute la nuit également. On peut actuellement le voir et l'entendre avec GFT. C'est plutôt pas mal. Jean Sud à la cave du Manoir. Noir à Martigny, c'est ce samedi de 22h jusqu'à 4h du matin. Info et billetterie, cavedumanoir.ch. Pas mal, hein ? Allez, ouais, c'est pas mal. De Martigny, on passe à Vevey, destination le Rocking Chair. Le Rocking Chair, exactement, oui. Avec le fils du facteur. Oui, on les avait rencontrés à Paléo l'année passée, nés en 2014 dans les rues de Lausanne. Les fils du facteur ont parcouru les allées, puis les bars et les fêtes avant de monter sur scène en Suisse pour débuter, puis avant aussi de prendre la route hors des frontières helvétiques. Ça marche plutôt pas mal pour eux, des textes habiles, des mots touchants entre humour et poésie. Et ce soir, ils font escale au Rocking Chair à Vevey. Le groupe français MPL fera également la première partie. Les fils du facteur et le groupe MPL au Rocking Chair à Vevey ce soir, donc à 19h30. Plus d'infos rocking-chair.ch. Et puis, si toutefois vous les loupez ce soir le 5 octobre, eh bien retrouvez les fils du facteur le 21 octobre à la Tour de Rive, à la Neuveville. Ça, c'est pour une séance de rattrapage. Les fils du facteur au Rocking Chair à Vevey, destination Genève maintenant. Avec un concert extraordinaire. Oui, c'est quand même l'événement en Suisse romande pour cette fin de semaine. C'est bien sûr l'héritage Goldman à l'Arena, donc à l'Arena de Genève. Vous avez pu avoir la chance de gagner ou pas des places sur M pour aller applaudir l'héritage Goldman. Il reste encore quelques places pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'en avoir avec M le Média. Je crois qu'il y a même un concours encore cet après-midi avec Virgile. Le concert donc a lieu ce vendredi à 20h. Une production ambitieuse et passionnée pour revivre en live la légende Goldman, revisitée par Eric Benzi, son arrangeur historique. Sur scène, Michael Jones, le chœur de gospel de Paris et puis bien sûr la nouvelle scène française. L'héritage Goldman donc à l'Arena de Genève, c'est ce vendredi. Plus d'infos, geneva-arena.ch. Et puis c'est leur dernière date pour 2023. Ils font une pause et ensuite ils remettront ça à partir du 2 mars 2024 pour une quarantaine de dates jusqu'au 30 novembre 2024 où il y aura également une session de rattrapage à Vaudoise Arena à Lausanne. C'est noté. Merci David pour cet agenda 100% musique. Vous retrouvez toutes les infos sur le site mlemedia.ch à la rubrique agenda.